Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette vidéo découverte de Oxygen Not Include. Donc c'est les personnes qui ont développé le jeu Don't Starve. J'avais déjà commencé, vous voyez, je suis en cycle 0, donc je voulais juste voir à quoi ressemblait le jeu. Graphiquement, ce que vous voyez dans le fond, c'est à ça que va ressembler le jeu. C'est quelque chose de très 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 beau, très agréable à jouer. Moi j'adore les graphismes un petit peu ainsi cartoon, mais sans être psychédélique, avec des couleurs flashy et tout ça. Donc lorsqu'on lance une partie, on a trois personnes qui vont être là, avec des traits positifs et négatifs. Hein, donc celui-ci ne pourra pas faire de recherche, celui-là... Duplicant, can and will fall asleep. Non, on va le changer parce qu'il peut dormir n'importe où, un petit peu stone, ça me tente pas trop. Ok, celui-ci il va avoir des problèmes narcoleptique. J'ai pas envie d'avoir un narcoleptique. Pourra pas faire de recherche. Pourra pas cuisiner. Bon là, tant pis pour les calories. Donc vous voyez, ils ont chacun leur capacité. Hein, celui-ci il vomit, celui-ci il détruit quand il est stressé. Alors le nom de la colonie transdimensionnelle, Home. On est parti, on va lancer la partie. Je n'ai pas encore réellement joué. Donc voilà où on arrive. On va mettre pause directement. Ok, et on va regarder l'interface. Donc hop, on met pause, basic control, on s'en fout, colony management, on s'en fout. Voilà, la colonie requiert des toilettes. Mais avant ça, on va regarder un petit peu, vous voyez là, je suis en zoom maximum arrière. Graphiquement, je vous l'avais dit, c'est un petit peu comme l'interface. On a deux choses, on a le printing pod, donc c'est ce qui va imprimer les duplicanes, hein, parce que ça s'appelle des duplicanes. Ici, c'est là où il y a la nourriture. Donc pour l'instant, on le voit, on a 20 kcal de nourriture. Le stress est à 5%. On a une population de 3. On est dans le premier cycle. Alors, on peut voir différentes choses ici. On peut voir l'oxygène parce que oui, on va avoir besoin d'oxygène. On a des algues ici, on a des algues. Ce qui est génial, dès que vous allez vous mettre quelque part, il va vous dire tout ce qu'il y a. Donc par exemple ici, c'est du sandstone. Et il vous dit, voilà, c'est un raw material. Vous le verrez ici, on peut voir l'oxygène, parce qu'on a besoin d'oxygène. Donc là où c'est en bleu, c'est là où il y a de l'oxygène. Là, il n'y a pas d'oxygène, là, il y a de l'oxygène, il y a différentes plantes. Donc il va falloir voir comment on va se développer. Mais on peut trouver des zones où il y a des gaz qui vont nous tuer. Donc par exemple, ici, très toxique, donc faire très attention, ne pas se développer par là. Ça c'est la grille toute simple, la température, parce que la température est importante. La lumière, le liquide, donc ça va être pour les câbles, ça aussi pour les câbles, le décor et les priorités. Pour l'instant on va observer un petit peu, ici on a quoi? On a du coal, on a du copper, donc ça c'est très bien. Là on n'a pas de copper par là, mais on en a là au-dessus. Ce serait peut-être intéressant de descendre par ici. Donc on va les faire creuser. Déjà ça. Voilà, on va déjà les faire commencer par creuser par là. Alors au fur et à mesure qu'ils vont creuser, on va avoir des objectifs. Enfin des objectifs ici qui vont se mettre. Et vous voyez, ils ont récupéré du raw mineral, du sandstone. À partir de ce moment-là, on peut construire d'autres choses comme le storage. On va en avoir besoin pour pouvoir stocker justement tous les objets. Là, vous voyez, ça se met comme un petit dessin. Moi, j'adore ce côté graphique. Et là, ils sont en train de construire. Donc, nos personnages vont avoir des besoins, des désirs. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai pu découvrir dans d'autres vidéos. Hein. Et non pas ce que j'ai découvert moi-même. Comme vous le savez, je commence seulement l'aventure, donc... Et là, on va lui dire qu'il peut tout y mettre. Ça, dès qu'il ramasse, ils vont le stocker là-bas. On va faire les échelles pour nettoyer justement ce coin-ci. Alors, ils vont avoir besoin, comme dans...
d'autres jeux d'endroits pour dormir, d'endroits pour aller aux toilettes, pour se déstresser aussi. Ils ont différents jobs possibles. Donc là, on va pouvoir produire de l'oxygène avec les algues, mais pour l'instant, en oxygène, ben, on est bon, hein, vous voyez. Breathable, ça veut dire respirable, hein, et très respirable. Comme ceci, on va pouvoir produire de l'oxygène à partir des algues. Les algues qui sont les choses vertes ici et là. Donc par la suite, on va venir ici pour venir choper les algues. Pour l'instant, l'oxydite produit de l'oxygène pour nous, donc on n'a pas vraiment besoin. On va pouvoir produire de l'électricité aussi et de la nourriture ici. Quelque chose qui va être très important. On va avoir besoin aussi. Table de massage, pas encore. De recherche, fourniture, ils vont avoir besoin de lits. Donc ça, les lits, on va les construire séparés. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi est-ce que je sépare mes lits. Alors lorsque le cycle va être terminé, ils vont avoir besoin de dormir. Voilà, les lits sont faits. On va devoir attribuer les lits. On va les attribuer dans l'ordre pour l'instant. Je vous prie de m'excuser. Mal de coppers ici, ce qui est génial. Là, ils vont ramasser maintenant. Alors, on va pouvoir regarder ce qu'on doit faire d'autre. Pas au niveau décor. Attendez, je cherche encore. Des toilettes. Et oui, ils ont besoin de toilettes. Ils vont avoir besoin de faire leurs besoins, tout simplement. On va construire des toilettes, ils ont la possibilité de dormir, stocker pas encore. Alors là, on a pas mal d'algues aussi. Niveau oxygène, on est bon, même si il va falloir commencer à faire. On va construire ceci, une batterie à côté. Et les câbles entre les deux. On va pas les laisser s'embêter, hein. On a de l'oxyline ici, l'oxylite, donc on va en profiter. Là aussi on a de l'oxylite. De toute manière on avait dit qu'on allait creuser par ici. Pour avoir les algues. Les algues, on en a à profusion ici aussi pour quand on va pouvoir créer. Finalement, on l'a toujours pas. Et on voit toutes les ressources qu'on a. Vous voyez l'oxygène qui part par ici, hein. De l'oxylite qui est génial. Peu de zones sans oxygène. Bon, après, les gars, il va falloir me ramasser tout ce que vous avez mis à terre quand même. Hein. Le food source, oui, il est là. Hein. Alors, on va avoir besoin d'énergie, je suppose. Oui.
sais pas pourquoi mon gars ne produit pas d'énergie. Laisse ramasser en oxygène, on est bon logiquement. Et là, on voit que le storage se remplit bien. Bon, au niveau des jobs, tous les jobs peuvent être faits. Changer la priorité, mettre une priorité 1 ici pour qu'ils se disent ah ben tiens, on va peut-être aller faire de l'électricité. De la dirt, il y en a de la dirt, hein. Je comprends pas pourquoi il dit qu'il n'a pas les ingrédients. On doit avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Hop, là vous allez recueillir tout ça. On va faire un générateur d'oxygène. Là, il est en train de manger. Donc voilà, on est vraiment dans une vidéo découverte, hein. Si je suis pour faire un let's play, je recommencerai avec une nouvelle partie. Mais là, on découvre vraiment ce que le jeu peut nous apporter. Alors pourquoi est-ce que je ne sais pas leur apporter de la nourriture? Mais parce que je n'ai pas d'algues, donc je ne saurais pas leur apporter des algues. Donc je vais regarder pour lui apporter des algues pour produire de l'oxygène. Et là, ils vont dormir. Et là, on a un report. Un petit peu de ce qui s'est passé. Hein. Génération, le stress. Le stress n'a pas changé. Et là, vous voyez qu'ils dorment paisiblement sans être dérangés par les autres. C'est pour ça que j'ai séparé les lits. Si vous pouvez avoir un personnage qui ronfle. Et si le personnage ronfle, eh bien ça va gêner les autres. Alors j'ai besoin de bouteilles d'eau. Comment est-ce que je peux produire des bouteilles d'eau? Il serait intéressant de savoir comment on produit des bouteilles d'eau.
C'est une bonne question. Là, on a de l'eau. Donc on va aller jusque-là. Il y en avait ici. C'était peut-être le cours de passer par là. Ah, voilà, les produits d'électricité, très bien. On va vraiment se consacrer ici. Personnage qui mange. Voilà, là ils ont de l'aloe. Enfin de l'algae et des algues. Et là il va aux toilettes. Il va aux toilettes, notre petit personnage, Suki. Ah, l'air satisfait. J'adore. Et un prochain personnage arrivera dans 846 secondes. Mais 846 secondes réelles, hein. Là, j'accélère un petit peu le temps, hein. Et voilà, là, il récolte de l'eau maintenant. Et du coup, on va pouvoir produire de l'oxygène. Alors, le storage est plein, on va en refaire un autre. On va en refaire deux pour être certain. Donc voilà, là, on est bon pour l'instant. On est bon, on est bon. Au niveau de l'oxygène, on a des zones qui ne sont pas bonnes en oxygène. On a des autres qui sont excellentes. Personne qui fait de l'électricité. Donc du coup, on produit plus de nourriture. On a 23 kilocalories. Ah, vous voyez ici, il reste en suspens, hein. Il ne tombe pas. Ça, c'est malheureux. C'est dommage, un petit peu. Ok, ils savent descendre et remonter facilement. On peut nettoyer les toilettes aussi, comme vous voyez. Voilà, il lui manque les fondations à lui. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà, en électricité, ça ne passe pas.
le remettant à 5, il produit de l'électricité qu'il va pouvoir stocker. Ça produit 400 watts et ça en consomme 240-300. Donc ça c'est bien, ça permet d'en stocker un petit peu. Donc voilà, bah c'était pour vous montrer ce jeu. Je vais à mon avis commencer un let's play parce que le jeu a l'air vraiment sympathique. Voilà, pas de recherche, on peut faire des recherches, donc un terrarium d'algues, du compost, oui, donc ça va être pour la nourriture, ça va être pour les gaz, pour les liquides, générateurs et des décorations avec des systèmes de filtration. Donc je rappelle que le jeu est vraiment en développement pour l'instant. Hop, on fait ça, comme ça c'est validé, on a besoin de points. Et nos personnages vont devoir faire des recherches. Donc voilà, je pense que dans cette vidéo, on a compris pas mal de choses. Et qu'on est peut-être prêt pour commencer un let's play sur le côté. À vous de me dire si ça vous intéresserait un let's play ou pas du tout. C'est vraiment vous qui allez décider à ce niveau-là si ça vaut la peine. Ou si bah, le jeu ne vous intéresse pas. Sur ce, mes petits loulous, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et vous dire à la prochaine. Au revoir, bisous, bisous.